Je pense que les étudiants, ils me trouvent sévère au premier abord, mais qu'ils découvrent au fur et à mesure la session quelqu'un qui les accompagne puis qui est gentil. Il y a un équilibre qui se forme là-dedans. Je m'appelle Mathieu Valade, je suis professeur au module des arts de l'UQAC, professeur en arts visuels, et je suis aussi un artiste, un praticien. Je m'intéresse aux dispositifs qui vont mettre en lumière comment fonctionne le. Je m'intéresse aussi à une espèce de mélange entre une culture populaire, puis des référents artistiques plus pointus. Il y en a 12 de même en même temps, puis là, il y a une espèce de cacophonie qui s'installe parce qu'ils sont pas tous synchronisés, puis on entend juste le bruit de la musique qui se superpose 12 fois. Ben, ce que j'essaie d'amener chez l'étudiant, c'est premièrement, c'est de se trouver en tant qu'artiste. À la limite, je leur apprends pas à devenir un artiste, je leur apprends à essayer de découvrir l'artiste qu'ils sont. C'est certainement ce qui me rend le plus fier. Je travaille beaucoup avec des miroirs, avec des reflets, avec des choses qui sont symétriques. Physiquement, ça va pas plus loin qu'ici. Mais ça continue. C'est quelque chose que je trouve fascinant. Moi, j'insiste beaucoup sur l'engagement de l'étudiant dans sa pratique. Je leur dis souvent, être un artiste, c'est comme être en amour. Si tu n'as pas l'engagement envers ta blonde ou ton chum, ben la relation, elle n'existera pas comme il faut. Ils me trouvaient niaiseux, mes étudiants. Là. Votre chum, là, puis votre blonde, là, qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? De l'amour? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils me trouvaient vraiment tâche. J'ai fait beaucoup d'œuvres avec ces principes-là, mais celle-là, je pense que c'est le top, là.